Les amis yeux, les amis animaux, le moment est grave. Je dois à nouveau vous parler du milieu des années 80, puisque c'était une période charnière. C'est-à-dire qu'il y avait des chars d'un côté, des nières de l'autre, et au milieu, le 5 de 85, 1985. Et sortir du chemin à cette période-là, bah, c'était assez compliqué, puisque le marché commençait à se faire saturer. Donc on avait plein de titres 8 bits très sympatoches au demeurant, mais qui se noyaient totalement dans l'anodin de la foule de titres sortant la même année. C'est un petit peu le cas qu'on va avoir pour SRD Mission, qu'on va passer en review aujourd'hui, qui est pas un mauvais shmup, mais qui n'a rien pour lui en fait. Donc il n'apporte pas grand-chose. Il fait pas que de la copie directe de ce qu'il voit sur d'autres titres, mais il fait son job, il le fait propre. Mais c'est un peu comme si vous aviez un sandwich avec du pain uniquement. Oui, on appelle ça un pain. Ben, c'est un peu pareil ici. Mais je m'étale, et on va peut-être regarder les jeux, ce sera quand même plus explicite. Be explicit, SRD Mission, go on. Fais le démarrage s'il vous plaît, Mounette. Oui, je l'ai, mais ça c'est parce que j'ai oublié d'activer la capture. Oui, je suis trop honnête, je sais. Normalement, on dit c'est la régie qui a oublié de déclencher la capture. Et en plus, ça m'a pas enlevé mon. Puis de toute façon, j'ai le fail de démarrage. Cool. Donc, je vais dans l'ordre enlever l'image, activer le flux. Oui, qui est bien sur le bon truc. Et sans meubler, sans artifice aucun, relancer directement le titre. Et là, sous vos yeux subjugués, nous allons plonger ensemble dans cette résolution magique de 320 et des poussières, qui est propre aux années 80-90. Voilà l'objet du crime. Alors, comme je vous disais, hein, c'est carré. Bah oui, mais oui, vu la période, c'est carré. Mais c'est pas moche. C'est assez lisible pour qu'ils aient eu l'intelligence de faire clignoter les boulettes, qu'on puisse les distinguer sur le fond gris. Donc, des gens qui ont un peu pensé quand même. Maintenant, est-ce qu'on s'éclate? Bah ça, on va le voir tout de suite. Alors, c'est un shoot à deux boutons, c'est classique. J'ai mon petit tir, yippee-ki-yay, et il faut penser quand même, j'ai des missiles pour le sol. C'est ce qu'on appelle le syndrome Xevious. Au sol, je peux ramasser des petits pitous, qui sont autant de bonus qu'on me recommandera donc de ramasser. Ou de shooter, comme on vient de voir. Oui, bah, c'est mon plaisir psychopathe, ça, monsieur. Je suis désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Allez savoir. Alors l'avantage c'est que contrairement à Xevious, par contre on n'est pas obligé de viser par terre. Il suffit d'être bon dans l'axe et le truc au sol, s'il est présent, il va se le prendre dans la totée. Et ça fait plutôt plaisir. Bah oui, mais je voulais sauver le petit pitou. Oh purée de bordel, c'est ça, sois humaniste et voilà comment on te récompense. Je flingue tout le monde, c'est fini. Ma gentillesse m'a perdu, ça ne fera. Je m'en fous. Qu'il crève. Il avait qu'à faire du stop ailleurs. Hein. De toute façon, il met une serviette sur sa tête, c'est simple, il se met au bout de la plateforme là, il tend le pouce avec l'amplificateur. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez mieux ce que je tentais d'exprimer en vous introduisant le stream? Voilà, le jeu est praticable. Il y a des astuces, faut peut-être passer par certains endroits. En plus, regardez-moi ce scrolling. Sa générosité à baver sur les côtés. C'est le grand luxe. Bon, ma Xbox, elle est un petit peu massive, mais on peut pas tout avoir, hein, les amis. On en refait une, je suis sûr que je suis pas dans le bon canton. 4 minutes 10. Hii. Va falloir meubler. Bon, moi j'en ai flingué deux là, c'est bon. En fait, c'est pour vous forcer à pas tirer tout le temps avec. Extraterrestre lâche. Alors il y a des boîtes au sol, c'est marqué ASV, Age Sex Ville. De là à... Non, c'est pas la bonne traduction, me souffle en régie. Bah, ça correspondrait à quoi alors? ASV. Antécédent, succès et diplôme. Toi, t'as eu du bol. Non plus? Bon, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Faudrait-il que je déchoute?
Ouais, en dessous, pour les régies, il faut que j'arrête. Crétin galactique. Donc voilà, RCRD Mission. Je pense que c'est un jeu, un de ces jeux, que les minots devaient voir, et après ils devaient seviner leurs parents. Des fois que ça existe pour version console de salon. Parce qu'à l'époque, les vénards avaient de la console de salon. Et peut-être avaient une chance de tomber sur ce titre. Je joue l'esquive, les gars. Hein. Vous m'en voulez pas. Bah oui, mais je suis un peu lâche. Puis j'étais en train d'expliquer un truc. Et donc, bah, l'idée, je pense que c'est... Ouais, faire un titre que peut-être... Je sais pas s'il y a de version de salon, j'aurais dû me renseigner avant. Mais moi j'en ai vraiment l'impression que ce truc est vraiment fait pour être adapté sur une console qui a un processeur tout naze et que ça tombe quand même. Vous me l'achetez? Pourtant c'est pas faute d'essayer de trouver des arguments sur ce jeu que la majorité de joueurs trouvent particulièrement ennuyeux. Même les bruitages sont ennuyeux puisque le tir, piu-piu-piu, les bombes, piu-piu-piu, c'est le même sample. Ok, voilà. Ah, non, évite. Ah bah oui, bah y en a un qui va passer à la moulinette, j'aurais mieux fait de tirer dessus. Hein. Oh, le boss de fin de Nival. Oui, parce que quand il n'y a qu'un niveau, c'est ce que j'espère pour ce type d'ailleurs, on dit un Nival. Et il va me poursuivre. C'est du harcèlement, ça, monsieur. Et oui, ça ne se fait pas. On va attendre tout ce petit monde bien en haut de l'écran, histoire de me réserver un peu le bas. Ça va, je gère. Je gère. Jusque là, je gère. Mais ça va pas durer. Fuck you. Double fuck you. Fuck you à la bourboule. Eh bien, nous n'en verrons pas plus. SRD Mission, est-ce que tu es validé? Non. Pas de défaut majeur dans ce titre, mais... ça s'est entendu au timbre de ma voix, tout simplement. Oui, l'euphorie. Oui, le suspense, le challenge, les frissons. Il n'y a rien de tout ça dans ce titre. Donc, SRD Mission, vous montez. Posez ça dans votre vieille malle au grenier. Et puis, vous l'oubliez bien sagement. Vous le ressortirez pour faire classe et étaler votre culture, mais ça s'arrêtera là. Wally Wallou, je vous laisse avec les playlists habituelles. Je vais faire des bruitages aujourd'hui et je vais mettre 3 vidéos. Ça va être chpim pam poum. Je le fais un peu vite comme ça, ça piège. A demain, 19h, même endroit. Grrr.